amis, comment vous avez aimé le spectacle avec Roxane ce soir? Bien! C'est bien? Avez-vous eu du fun? Oui! Ah oui, hein? C'est le fun venir à Saint-Donat écouter de la musique? Oui! Oui? Donc tout le monde devrait venir voir le spectacle Un été tout en culture, c'est ça? Oui! OK, good! Roxane, comment ça va? Écoute, bien tenu le show, on a chaud, on a eu du fun, mais c'est merveilleux. Ça va bien, super bien. Puis là, comment tu t'es sentie là, de faire un spectacle dans ton village? J'ai jamais été aussi stressée de toute ma vie. C'est pas mon plus gros show en termes de monde, en termes de stage, mais c'est le show le plus important que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est un honneur de faire ça chez nous. Tu les as fait danser, tu avais différents styles, des hits que tu as mis évidemment à ton image, à ton style. Je me sens vraiment fière. Je me sens fière de moi, je me sens fière des gens de mon village qui sont sortis, qui ont bravé la pluie, qui sont venus avoir du fun, puis je suis fière de mon berne. Moi, je suis juste, là, je suis complètement heureuse puis fière, vraiment. C'était super. Pour vrai, là, le show était incroyable. T'es une bête de scène. Ah, je suis trop contente. Saint-Donat, c'est ton village. Oui, j'ai toujours vécu ici, ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens devraient venir à Saint-Donat? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est ça, le plein air, monter les montagnes, aller faire du hiking. Il y a deux montagnes de ski, il y a plein de lacs énormes. Là. On peut faire toutes les activités aquatiques. L'activité culturelle aussi, les shows l'été, c'est écœurant. Il y a des shows le jeudi à la plage, il y a des shows ici le samedi, tout le monde danse. Le bouc émissaire, ouais. Ça, c'est comme tapas, mix vin, drink, etc. Il y a le Broumalt, microbrasserie, super cool. Ils font leur propre brassage. Les bières sont excellentes, puis il y a toujours de l'ambiance. Fait que c'est comme pour tous les goûts. Les Donatiens sont super accueillants. Ils vont vous montrer les bons spots, ils vont vous accueillir avec plaisir. C'est magnifique. Venez nous voir, vous allez découvrir par vous-même le parc naturel habité. Juste pour finir, les gens, où est-ce qu'ils peuvent t'écouter chanter, là? Sur toutes les plateformes. Moi, j'ai mon petit EP qui est sorti de 6 chansons. Fait que son nom, le nom du EP, c'est Riche de s'aimer. Et moi, c'est Roxane Garçon. Merci, Roxane. Merci! Camille, bienvenue à Saint-Donat. Merci. Donc aujourd'hui, on a une journée chargée, tu vas voir, et notre première destination, c'est un fleuron du Québec, c'est la boulangerie Saint-Donat. On est privilégié aujourd'hui, on peut aller visiter leur usine de production. Est-ce que tu es prête à aller voir ça avec moi? Oui. Bonjour Francis, bienvenue à la boulangerie Saint-Donat. Bien, merci beaucoup Marie-Ève, merci de m'accueillir dans cette belle boulangerie qui a beaucoup d'histoire. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial en 2024 là, qui s'en vient pour vous? Ben, écoute, on va fêter notre 100e anniversaire. Ça va faire 100 ans qu'il y a une boulangerie en continu à Saint-Donat qui s'est transmise par différentes familles. Là. Fait que mon père l'a acquise en 89. Moi, j'ai pris la relève il y a maintenant 6 ans. Donc, on fête en grand, 100 ans. Ben oui, 100 ans, ça souligne, ça célèbre, évidemment. C'est quoi les produits qu'on peut retrouver à l'usine là, de la boulangerie Saint-Donat? Des desserts, en fait, qui viennent de recettes de famille, d'amis, qu'on fait avec des ingrédients qu'on retrouve dans nos garde-manger. Parmi nos produits les plus populaires, il y a la tarte au sucre à la crème, évidemment. La tarte aux pacanes, les tourbillons, là, la tarte oui. Avec les pêtes de sœur. Oh, ouais. La tarte aux pommes, tarte aux fraises, rhubarbe et fraises, tarte aux bleuets en saison, des produits d'érable dans le temps des érables. On fait aussi des carrés aux dates, des pêtes de sœur juste à croquer comme ça. On compte pas les calories, là, quand... Non, c'est des aliments plaisir. C'est ça qu'on fait, nous. Et là, justement, vos produits sont distribués vraiment à travers la province, là. Oui, partout à travers le Québec, un petit peu aussi en Ontario. Là. Fait que si vous vous promenez, il y en a. Il y a possibilité d'aller chercher un réconfort quand on est en voyage en Ontario. Ah ben oui. C'est très bon. Il faut le mentionner, aujourd'hui, je suis privilégié là, avec Camille de venir visiter l'usine parce qu'actuellement, c'est pas ouvert au public. Non, en effet, c'est juste la production. Là. Fait que oui, vous avez un accès privilégié à l'entreprise. J'ai très hâte d'aller voir ça. Il fallait qu'on parle de la boulangerie Saint-Donat parce que c'est un fleuron, premièrement, du Québec. Puis que les gens qui connaissent pas votre village, souvent, le connaissent de nom à cause de vos produits. Oui, c'est vrai. Des fois, je me promène, puis je dis que je viens de Saint-Donat. Ils font « Ah, les tartes! » Je suis comme « Oui, c'est ça! »
Oui, puis en plus, sont à la bonne personne à qui en parler, parce que t'es comme très concerné par la boulangerie. Oui. Oui, vous faites des tartes, vous faites des desserts et tout ça, mais vous êtes aussi impliqué dans différentes causes. Oui, bien, on fait plusieurs levées de fonds. Bon, une part avec les écoles, là, fait que, avec un partenaire. Mais aussi ici, plus localement, on a le comité Haïti. Donc, on leur donne des tartes pour qu'ils fassent des levées de fonds. Puis l'argent est envoyé directement là-bas en Haïti, dans un orphelinat, pour aider les jeunes. On aide aussi les Chevaliers de Colomb, différents organismes comme ça. Là. Ça nous tient à cœur d'encourager localement. On fait une pierre deux coups, là, on se fait plaisir à nous en se procurant des produits de la boulangerie Saint-Donat, mais on rend service en même temps. Exactement. Bien, c'est super. Écoute, moi, je suis prête à aller faire un tour. Faut le dire, hein? on va s'habiller un petit peu plus. Oui, il faut mettre notre uniforme pour rentrer dans l'usine. Allons-y. Parfait. Avant de rentrer, s'assurer que je laisse pas de traces. Et le sarreau. Le sarreau. On va faire des expériences. Entrons. On a une machine qui imite les doigts d'une grand-mère qui sable le gras dans la fâche. Suite à la préparation des garnitures, bien, on vient le déposer dans le portionneur qui va venir donner une dose de sucre à la crème dans chaque abaisse de tarte. Une fois qu'on a mis l'abaisse dessus, il y a la découpe qui se fait, puis les tartes sortent sur le convoyeur, se font peser, puis ensuite on les met dans les tôles pour que ça s'en aille à la cuisson. 168 tartes par chariot. On vient tout juste de sortir les tartes du four, donc on voit que ça continue de bouillir. Ça sent super bon! Alors ici, on a le refroidisseur. On a fait une super belle visite et on sort avec des surprises! Camille, on vient de terminer notre visite à la boulangerie Saint-Donat. Comment t'as aimé ton expérience? Ah, j'ai vraiment apprécié. En fait, ça sent bon. Les employés ont l'air d'aimer travailler dans l'usine. C'est impressionnant de voir les machines qu'ils utilisent pour produire les tartes et le nombre de tartes qui est produit par année. Oui, exactement. On a appris qu'il y avait plus de 4 millions de savoureux desserts qui est distribué à travers la province. Aujourd'hui, c'était plus de 15 000 tartes là, qu'il y avait à produire. Ils ont aussi le souci d'éviter le gaspillage alimentaire. Exactement. Après cette belle visite sucrée, comme on peut dire, on s'en va au Mont-Sourire brûler un peu d'énergie. Ouais. Camille, on est arrivé au Mont-Sourire, on est au bas du sentier, donc est-ce que tu aimes ça, toi, faire des randonnées pédestres? Oui, j'aime ça. Donc là, je te dis tout de suite, c'est pas une super longue randonnée, mais si on veut voir un beau point de vue à Saint-Donat, le Mont-Sourire, c'est une destination pour tous. Ça prend environ 30 minutes de se rendre au sommet. On s'en va là-bas. C'est bon! Tournons-nous dans les bois. Camille qui a mis des sandales de marche. Une bonne touriste. Quand tu trouves ça jusqu'à maintenant, Camille? Ben, c'est super. Les sentiers sont larges. On peut marcher les deux côte à côte. Je l'accroche même pas. Camille, comment ça s'est passé, ton ascension au beau Mont-Sourire? Ça s'est bien passé. C'est très rapide pour voir un joli point de vue. Ça se fait en famille? Oui, en effet, c'est une belle ascension à faire en famille, entre amis. Si on est un peu pressé dans le temps, c'est le fun. On peut avoir un beau point d'observation à moins de 30 minutes de marche. Il faut juste avoir peut-être des bons souliers parce qu'il y a quand même plusieurs rochers. Puis évidemment, s'il y a la pluie, il y a beaucoup de boue, donc... Ça peut être glissant. Exactement. Mais sinon, à part ça, ça vaut la peine? Oui. Et surtout, il ne faut pas oublier notre petite collation de la boulangerie Saint-Donat. Donc, on est chanceux. Nous, on a eu des petits cadeaux. Oui, puis en plus de ça, on a le droit. On a quand même brûlé quelques petites calories pour se rendre jusqu'ici. Donc, ça va être bien mérité. Merci. Ben, ouais, hein, c'est gratuit. Santé! On va se diriger dans une petite boutique, une épicerie fine qui s'appelle Les Écolos Imparfaites. OK, j'ai hâte de découvrir.
bienvenue, Francis. Dans le fond, nous, c'est les Écolos Imparfaits. On est un épicerie éco-responsable à Saint-Donat. Merci de me faire découvrir votre univers. Dis-moi, c'est quoi qui vous a poussé à partir de votre épicerie fine? Pour nous, ce qui était vraiment important, c'était de rendre ça facile, de faire son épicerie en vrac, de diminuer ses déchets, d'acheter plus local. Puis là, c'est quand que votre aventure a commencé? C'est pendant la pandémie. Moi, j'étais infirmière, puis j'ai décidé que ça, c'était plus pour moi là, à ce moment-là. Puis là, t'es partie ça avec ta sœur? Avec ma sœur et ma meilleure amie. On s'est mis les trois ensemble, puis on a parti le projet. D'où est venu le nom Écolo Imparfaite? On pense qu'il n'y a personne de parfait. Puis on préfère que tout le monde fasse des petits gestes plutôt que d'avoir juste une poignée de personnes qui sont parfaites, tu sais. Faut commencer par soi-même si on veut changer les choses. Comment ça fonctionne quand que les gens veulent venir vous visiter? Bien, on encourage les gens à porter leur propre contenant, sinon on en a en consigne. Donc, les plats qui ont notre logo dessus sont consignés. Ils les pèsent avant. Ils les remplissent, puis moi, à la caisse, je les repèse. Donc, ils payent juste pour le poids de ce qu'il y a dedans. Si les gens ne sont pas à l'aise de remplir les contenants, nous, on peut les remplir sans problème. On a tous les produits alimentaires en vrac. On a plein de produits locaux aussi qui sont vraiment super le fun. On a des viandes du Québec, de la volaille du Québec. On a aussi beaucoup d'options véganes. Nous, on est une mine d'or d'informations là, pour tout ce qui est manger plus local, manger plus santé, manger plus végétal. Puis c'est sûr qu'ils sont au bon endroit pour commencer à avoir un impact positif. Exactement. On a ouvert notre petit espace café. On sert du café qui est équitable. Les gens peuvent s'asseoir, prendre un petit café en communauté. Fait qu'on est vraiment très fiers de ce petit coin-là qu'on a créé. Oui, il faut le dire qu'il y a un cachet un peu vintage. Ça va dans la même veine que qu'est-ce que vous voulez faire ici, là, justement, à diminuer le côté surconsommation. Toi, tu viens de Montréal initialement et tu as choisi Saint-Donat. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi Saint-Donat? Bien, on est venu, on a visité la région il y a une couple d'années, puis je suis juste tombée en amour avec les paysages, la nature. Puis j'adore le fait qu'il y a des centaines de kilomètres de sentiers. Saint-Donat est un parc naturel, puis ça se ressent encore. Là. Oui, exactement. Il y a encore moyen de se sentir vraiment comme en paix, puis vraiment là, genre submergé dans la nature. Donc, mis à part votre boutique qui est un incontournable, y a-t-il d'autres endroits que tu conseilles les gens de venir visiter à Saint-Donat? Bien, c'est sûr qu'à Saint-Donat, il faut arrêter au Broumalt. On a plein de bons, de super bons restaurants. Je pense au Bouc émissaire qui vient d'ouvrir, là, qui est vraiment super le fun. On a un salon de quilles et on fait beaucoup d'activités, puis on a vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Bravo encore pour votre belle initiative. Puis on va inviter les gens, lorsqu'ils sont de passage à Saint-Donat, à venir rencontrer les Écolos Imparfaits. Camille, on vient de terminer de faire le tour des Écolos Imparfaits. Comment t'as aimé ça, ta visite? Ah ben j'ai bien aimé. Y a plein de produits à découvrir. J'ai fait des trouvailles. Une brume d'ambiance. Sinon, j'ai acheté le cake vaisselle. Ce produit-là, je le connais déjà et je l'utilise à la maison. C'est super efficace. Et j'ai acheté le beurre de peanut bio. Wow, trois belles trouvailles, là. Puis on s'en va à notre prochaine destination, le Bouc émissaire. On s'en va dîner. Super! Bonjour Francis, bienvenue chez nous au Bouc émissaire. Et merci Marielle de m'accueillir dans ton magnifique restaurant. Dis-moi, pourquoi les gens devraient venir ici lorsqu'ils sont de passage à Saint-Donat? Écoute, ambiance relax, conviviale, bouffe frais maison, produits locaux le plus possible, frais, c'est la place. Il y a des soirs que ça rock, puis il y a des soirs que c'est plus tranquille, petit coup, petite bouteille de vin, petite musique, ça dépend vraiment de la soirée. Parle-moi un peu là, de tes spécialités. Notre mascotte, le Bloody Bouc, donc petit burger sur Bloody Caesar. On a l'entrée de pétanque poêlée. On a aussi les arancini classiques. On l'a depuis jour 1, puis c'est le plus gros vendeur. Ensuite de ça, le fish and chip, un incontournable, aigle fin. Panneur à la bière, fait maison. Le trio tartare aussi, en plein été comme ça, produits frais, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Vous avez une magnifique terrasse, donc c'est possible de manger à l'intérieur, à l'air climatisé ou à l'extérieur. Terrasse donc sur deux paliers, fraîchement rénovée de cette année. Une vigne super belle qui a vieilli avec le temps, qui donne un décor absolument incroyable. Quand on est rentré ici, le premier mot qui nous est venu en tête, c'est chaleureux, convivial, quasiment familier. On va inviter les gens à venir vivre l'expérience du Bouc émissaire. Nous, on s'en va goûter à vos plats à l'instant. Yeah. Bon appétit à vous deux. Merci. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Santé. Santé. Est-ce que c'est bon?
délicieux. Ça goûte le bon burger maison. Je suis bien content que tu aies pris ce cocktail. On vient de recevoir nos plats de résistance. On pense avoir encore faim après? Non, je pense que c'est des portions généreuses. Ça sent bon, c'est beau la présentation. Mais... J'ai hâte d'y goûter. On peut témoigner. C'est bon, hein? Mm-hmm. Le fish, t'en dis pas. Mm-hmm. C'est bon, ok, profitez-en. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment bon. Mm. La friture est pas trop... Elle n'est pas trop grasse. Ouais. Camille, c'était la première fois au bouc émissaire. Comment tu as trouvé ça? Très bon. On est bien accueillis. C'est bon. C'est frais. À recommander. À recommander? Oui. Tu vas y retourner? Oui. Moi aussi, j'ai adoré. On va finir notre assiette, puis après ça, on s'en va direction le lac Archambault. Parfait. T'es prête? Je suis prête. Présentement, on est avec Charles de Location Marine Saint-Donat et on a la chance d'être sur un ponton 2023. Comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? Bien, c'est très agréable. C'est un bateau qui est stable. On a une belle vue. C'est une petite balade tranquille. C'est un incontournable s'ils ont le temps de venir profiter des lacs, là, le lac Archambault, le lac Waro. Ce sont deux lacs navigables. Il y a plusieurs autres bateaux, mais c'est pas trop achalandé étant donné que le lac est grand. Mais c'est un beau terrain de jeu là, pour les amateurs de sport récréatif. Oui, puis le ponton peut accueillir plusieurs personnes, donc c'est intéressant entre amis de le louer. Oui, exactement. Okay. C'est vraiment un service clé en main. Manquez pas ça, la gang, c'est un incontournable lac Archambault. La vue est incroyable. Merci Charles pour la belle balade. Je te souhaite la bienvenue, Francis, dans nos locaux Mer et Montagne, la boutique de vêtements de Location Marine Saint-Donat. Bien, merci beaucoup. Lorsqu'on veut venir à Saint-Donat, vous avez deux lacs qui sont navigables, donc c'est vraiment un incontournable passer à Location Marine Saint-Donat pour pouvoir bénéficier l'embarcation des dernières générations. Absolument, oui. On a quand même une flotte, de plus en plus intéressante. On a quelques pontons à la location. On a des inboards, des speedboats. Si les gens veulent faire un peu de la trip avec la famille, du ski nautique, tout ça. On a plusieurs motomarines, d'ailleurs, aussi. Motomarine et un sportster pour les amateurs de sensations fortes. Et puis, si les gens préfèrent prendre ça tranquille puis aller à la pêche, bien, on a des chaloupes. On a aussi, d'ailleurs, des canots, des kayaks et des paddleboards disponibles à la location. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts ici. Et là, il faut le mentionner, pas besoin pour les usagers de venir chercher leur embarcation ici. Vous faites la livraison directement. Exactement. On les amène nous-mêmes sur l'eau. On les descend à la descente du Parc des Pionniers, qui est à la plage municipale, un autre incontournable de la ville de Saint-Donat. Et puis, à la fin de la location, on s'occupe de la sortie de l'eau. Donc, c'est vraiment le plus clé en main possible pour le client. Pas besoin d'avoir un permis de bateau pour louer une embarcation parce que vous offrez un permis d'un jour. Oui, exactement. Dans le fond, c'est un permis temporaire qui va être valide pour la durée de la location. C'est vraiment simple. Ça prend 5 minutes à remplir en magasin. Vous êtes bon pour y aller après ça. Donc, vraiment, si vous n'avez pas de permis, il n'y a aucun stress par rapport à ça. Un autre service que vous offrez ici, c'est la boutique de vêtements avec plusieurs marques là, de plein air. On a commencé avec O'Neill et Houquet, qui est une marque de linge québécoise très connue, très prisée des amateurs de pêche à la mouche. Et puis, cette année, on a réussi à avoir Patagonia, qui est quand même une très grosse marque qu'on aime beaucoup. Qui est très durable et surtout très stylé. Donc, on est très content d'avoir eu ça. Et puis, au fil du temps, on va essayer justement d'agrandir notre arsenal un peu plus, là, d'avoir le plus de marques possible, de continuer en grossissant. On a un bon éventail de coton ouaté, de manteaux d'automne, un petit peu plus chaud parce qu'évidemment, c'est sûr que la location, ça ne s'arrête pas à l'été. On a aussi les locations d'automne quand les feuilles commencent à changer dans les arbres.
absolument magnifique. On a aussi des chapeaux de soleil, comme le magnifique chapeau de soleil que tu portes présentement. On a un grand éventail de casquettes. Ça ne s'arrête pas juste à l'habillement. On a aussi quelques sacs submersibles. On a des glacières, des pagaies, un petit peu d'équipement nautique. On va inviter les gens à venir vous voir à Location Marine Saint-Donat, un service impeccable, plusieurs embarcations. Vous pouvez même vous habiller de la tête aux pieds en passant par ici. Donc, je te remercie beaucoup, Charles. Bienvenue chez nous, Francis. Cheers! Une petite bière pour commencer. Merci. On va goûter à ça. Mélissa, d'où est partie là, votre aventure avec la microbrasserie? En fait, ça fait 6 ans en septembre là, qu'on est ouvert. On est 2 femmes à la tête de la microbrasserie. Là. Il y a Fanny qui est là depuis le début. C'est Fanny qui brasse. Moi, je me suis joint à elle depuis 1 an. C'est quand le meilleur moment pour venir à la brasserie? Dans les 5 à 7, la presqu'île. Super populaire ici. D'ailleurs, notre comptoir au bord est chauffant. Donc, c'est chauffant ici. Tu te réchauffes les mains après le ski. Mais tu déposes ta bière ici, c'est pas chaud, donc elle reste toujours froide. Mais sinon, on présente des spectacles d'humour, on présente des spectacles de musique. On essaie de créer un peu une vie sociale qui est agréable pour les gens de Saint-Donat parce qu'on est quand même éloigné. Dire qu'il y a quelque chose à faire à Saint-Donat. Oui. C'est pas juste en période, justement, plus du ski ou d'estival. C'est possible que ce soit vivant à l'année ici. Oui. Bien, c'est ça qu'on essaie de créer. On fait de venir prendre une bière à la maison parce que c'est vraiment l'ambiance qu'on crée. Là. L'été, on fait une collaboration avec la confrérie du Vieux-Terrebonne. Ils installent un camion de rue dans notre cour. Très coloré, très festif. C'est vraiment bon, en fait. Là. C'est leur version food truck de leur délicieux restaurant. Puis pendant le reste de l'année, nous, on a notre cuisine. On veut pas être un restaurant. On veut vraiment rester microbrasserie. On veut que les gens viennent pour notre bière avant tout. Donc, c'est un petit menu. C'est combien de bières qu'on peut retrouver à la microbrasserie Brouman? Nous, en tout temps, on a 12 lignes de fûts, puis tout est brassé ici. On a nos classiques. On essaye aussi des nouvelles recettes. On peut revenir, puis on va goûter à des nouvelles bières. Oui, exactement. Puis on sort des canettes aussi. À chaque fois qu'on sort une batch, bien sûr, on sort une petite batch de canettes. Puis c'est où qu'on peut se les procurer? Ici, seulement ici. Donc, il faut venir à la maison. On va inviter les gens à venir à Saint-Donat, puis surtout à venir goûter... vos créations. Absolument, merci beaucoup. Santé. Elle est très bonne. Ça, c'est laquelle? C'est la Map Monde. La Map Monde. Sur Houblonné. Je la recommande. La prochaine, vous la connaissez sûrement, Summarize. Salut Francis, bienvenue à Saint-Donat. Bien merci, écoute, merci beaucoup Joey, merci de prendre ton temps pour me parler de ton village. Oui. En tant que maire, là, c'est quoi que tu dirais à la population de l'extérieur? Pourquoi ils doivent venir à Saint-Donat? T'sais, on invite vraiment les gens. Tu sais, Saint-Donat, c'est la capitale du plein air. T'sais, vous savez, notre marque territoriale, c'est le parc naturel habité. À 360 km², 81 lacs. 33 lacs de plus d'un hectare, 18 lacs habités. C'est des immenses plans d'eau. On est ici, à côté du lac Archambault. C'est 32 km de circonférence de lac. On a un autre lac aussi, le lac Poirot, qui est aussi 32 km. On a le parc du Mont-Tremblant, on a les clubs de golf, on a 2 centres de ski. On a une panoplie d'activités qu'on peut faire ici chez nous. Un gros terrain de jeu. Un immense terrain de jeu. C'est pour ça le grand parc naturel. Parc naturel habité naturel. Les éléments naturels, les montagnes, les plans d'eau qui ont fait notre crédibilité, notre notoriété. Puis évidemment, le mot habiter. On est des gens accueillants. Et souvent, les gens nous disent « Ah, c'est Montréal, Saint-Donat, c'est loin. »
Nous, on dit que c'est Montréal qui est loin. Venez chez nous, vous allez adorer. Soit les vélos de montagne, vélos de route. Hiver, on parle de ski de fond, de raquettes, de ski alpin, de randonnée pédestre. Motoneige aussi, VTT, il ne faut pas les oublier. Canot, kayak, paddleboard, c'est le paradis des bateaux. Bateaux aussi. Donc, des activités sportives à profusion. Et vous savez, à Saint-Donat, c'est sans frais. Hein? Pour l'ensemble des citoyens. C'est un rendez-vous. Manquez pas ça, la gang. Merci. Merci Jean-Christophe. Merci. On s'est pris un petit plateau de dégustation à la microbrasserie Broumalt. Santé. Santé. Un petit 5 à 7 un petit peu plus tard, à 8h20. Faut dire, l'ambiance est vraiment comme intime, familière, chaleureuse. On sent bien que c'est pas éco non plus. C'est sûr que les tables sont proches, mais on se sent pas trop dans la bulle de l'autre. Ce que j'aime de Saint-Donat, c'est que tout est à proximité. T'sais, tout est comme ça, la rue principale, donc pas besoin de voiture ici. Puis il y a des stationnements en masse si vous venez en voiture. Est-ce que t'as faim? Moi, j'ai faim. Oui, moi aussi. Bon, ça en va. Le 376, on arrive. Bon choix est fait. Oui. Ouais. Et moi, je vais prendre le carpaccio de bœuf. Moi, j'y vais avec l'entrée de saumon fumé, rillettes de truite fumée, mais chim. Chim, yes. À cette grosse journée. À cette belle grosse journée. Carpaccio. Wow. Saumon fumé, wow. Rillettes de truite, fromage de chèvre. Ça sent bon. Le saumon fumé n'a rien à voir avec le saumon fumé d'épicerie. Là. Bonjour Francis, bienvenue au 376. Bien, merci beaucoup Josiane, merci de me faire découvrir votre magnifique bistrot. Tous nos produits sont faits maison par notre charcutier boucher Francis. Et notre but, c'est de vendre du côté bistrot et du côté charcuterie. On vend des produits, des saucisses, des viandes marinées, on vend des plats cuisinés, des fromages, des salades, des sandwichs et aussi toutes les charcuteries. Les produits qui sont dans la charcuterie, ben on les voit aussi au restaurant. Fait que c'est un menu changeant. On retrouve des carpaccio, saumon fumé maison, un peu de tout, de la viande, du poisson. Fait que les gens peuvent vraiment avoir une variété de menus. Votre terrasse qui est incroyable. La terrasse qui est éclairée, couverte et chauffée, parce qu'à Saint-Donat, c'est pas toujours super chaud. Wow! C'est comme ça. Hey, si les gens pouvaient sentir à quel point ça sent bon, que j'ai la chance de manger, c'est un faux filet certifié triple A Angus. Donc, petit truc comme ça, c'est possible sur demande au bistrot le 376 de demander cette pièce de viande-là. J'ai trop hâte d'y goûter, ça sent tellement bon. Toi, Camille, t'as pris quoi? Le poulet frit maison. Donc, j'ai hâte de goûter aussi. Bon, ben, bon appétit. Bon appétit. De la viande qui est vieillie aussi, on peut réserver notre pièce. Nous avons des salles de vieillissement où on fait vieillir du bœuf triple A, certifié. Fait qu'on a une belle variété de viande. C'était bon du début à la fin. Là. Moi, je suis plein. Là. D'ailleurs, chimichurri que j'ai mangé, puis la viande, ça fondait en bouche. Là. C'était excellent. Ça nous a fait plaisir. On va se revoir bientôt. Ben oui, merci beaucoup. Francis. Donc, c'est ce qui conclut notre journée. Santé, on va manger ce bon dessert. Est-ce que je t'ai donné le goût de revenir à Saint-Donat par la suite? Certainement. C'est un petit village dynamique, donc oui, assurément. On va encourager les gens à venir vivre leur propre expérience là, à Saint-Donat. Oui. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.